Donc celui qui va ou celle qui va s'entraîner à créer conflit en notant les attitudes, les comportements, les gestes et les actions agressives, mais d'aller produire une action qui demande à l'autre de bouger autrement en dehors de son ego et à partir de la verticalisation du souffle, comment celui ou celle qui va transformer cet élan va bouger? D'abord, psychologiquement, elle considère que si il y a une demande de conflit, on considère qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va laisser ça complètement passer. On ne va pas éviter, ce n'est pas un évitement, ce n'est pas une feinte. On va laisser passer, vraiment mentalement, on va laisser passer affectivement, on va laisser passer corporellement, complètement, cette personne qui cherche un conflit. On peut passer du boken, du sabre de bois des ancêtres, au bâton des ancêtres, parce que ça incarne des conflits, ça. On peut passer à d'autres formes. Au lieu que ce soit des armes, on va les transformer en outils d'évolution. Et par exemple, j'ai choisi de modifier les bâtons d'éducation des moines zen, qui viennent stimuler des points ici pour éviter l'endormissement, calmer l'esprit et redonner de l'énergie, en les modifiant. Puisque ça a une autre signification que le fait de ressembler à un sabre métallique avec le bois ou d'un bâton qu'on utilise pour le combat, eh bien, on enlève directement la perception des armes et ça devient une perception d'outils. Quand il y a un mouvement qui est donné pour créer un conflit, il suffit de laisser passer ça. Et de se placer pour aller vers le centre, tout le temps vers le centre de l'autre. Son axe médian, avec notre axe médian, à partir de notre axe médian, à partir de notre souffle. Et à ce moment-là, on se dirige vers trois points. Le cœur, avec le symbole, ça vient du cœur. La conscience et l'ego. Et on va aller prendre contact délicat avec l'outil sur ces trois points, dans tel ou tel ordre, peu importe, en fonction des positions, et créées par les déplacements dans l'espace. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de coupe, il n'y a plus de frappe, il n'y a plus de simulacre, de tout ça. On va transformer ça par un vrai contact. Le hara va vers le hara, l'outil est le prolongement du hara par les bras. Tout ça est délicat, extrêmement précis, et va éveiller chez vous des humeurs, des sensations. Le cœur, la conscience et nos croyances. Nos informations, pour les remplacer par le calme, la précision, le contact profond. Et ceci va conduire au fur et à mesure à la transformation réciproque dans un sens et dans l'autre sens des partenaires qui sont en relation. C'est que... On a là la philosophie finale de la partie relationnelle, éducative, de l'aïkidoï et les clés hara, souffle, pied, articulation, utilisation des articulations des jambes, considération des êtres, considération de amitié, amour, déséquilibre.